Baptême de l'Airbus A380 sur le tarmac de l'aéroport international d'Abidjan ce mardi 28 janvier 2014. La Côte d'Ivoire rentre ainsi dans l'histoire du transport aérien africain en accueillant comme premier pays du continent en dehors de l'Afrique du Sud le plus gros porteur civil long courrier. Cet avion de ligne à double pont a une capacité de plus de 500 places. S'il est le plus gros avion civil de transport de passagers en service, l'Airbus A380 est le troisième gros avion de l'histoire aéronautique. Le coût de développement du projet se chiffre à 8 milliards d'euros, soit 5 240 milliards de francs CFA. Le projet a été lancé en 1990 et le premier vol commercial s'est déroulé le 25 octobre 2007. C'est à bord de cet avion que 200 opérateurs français se sont rendus à Abidjan dans le cadre du forum Investir en Côte d'Ivoire. Un signal fort pour la plateforme aéroportuaire ivoirienne qui, selon le ministre des Transports Gaoussou Touré, décrochera la certification de l'aviation américaine avant la fin de cette année.